Thank you very much, Dahlia, and Richard, and Anne-Marie. So the presentations address the limits of, I think, the classic subordination model that characterizes legal frameworks for protection. Anna Maria questions the usefulness of the notion of employer, even. Richard also examines the multiple loci of responsibility and control in supply chains. And Dahlia looks at forms of subordination related to the control over working time in particular. All of the presentations raise questions related to the necessity of looking at the root causes of non-compliance, non-enforcement, and non-mobilization of rights by workers. And also questions are raised as to the legitimacy of existing legal standards as work organization, types of jobs, and power relations between workers and providers of work evolve. So I open the floor to you. So Yes. Oui, bonjour, Jean Artout. C'est plutôt vous partagez une expérience qui a trait à la fragmentation du travail. Il est bien connu qu'en dans le monde de la construction, c'est un travail très fragmenté avec une multitude de sous-traitants dans chacune des phases du travail. Et ce que chacun des sous-traitants essaie de faire, c'est de maximiser ses profits. Et ce qu'on dit en québécois, toute sa scrap, tous ses déchets, bien, il renvoie au suivant, qui, lui, doit se débrouiller avec ça. Donc, on se retrouve avec chaque sous-traitant qui essaie de faire le maximum de profit, mais l'ensemble n'est pas nécessairement très profitable. Et c'est générateur d'accidents. Je vous propose un autre modèle, et là, je fais appel à l'histoire, un certain monsieur qui s'appelait Gustave Eiffel, qui a construit une tour bien connue à Paris. Et à l'époque, M. Eiffel était le promoteur, concepteur, fabricant de la tour, érecteur et éventuellement exploitant. Il lui avait compris que l'optimisation, c'était dans la totalité des phases. A construit la charpente métallique de la tour Eiffel en 14 mois, avec un mort, oui, j'ai bien dit un mort, 200 ouvriers. À la même époque, dans le nord de l'Angleterre, il y a un pont très célèbre, The Firth of Forth, qui s'est bâti. Il a pris 3 ans. On compte plus d'une centaine de morts. Donc, ce que ça dit, c'est qu'il est possible, quand on regarde la totalité des choses, d'optimiser et de faire les choses de façon sécuritaire. Oui, il y a de l'espoir. Et à la fin des années 1999, à peu près en France, il y avait une question qui se posait. Pouvons-nous revenir à l'esprit de Gustave Eiffel dans nos chantiers de construction? Autre petit exemple, vous avez déjà sans doute vu des laveurs de vitres. Donc, il est dans son échafaudage, sur sa sellette, et lui, sa vie dépend d'une corde qui est attachée sur le toit. Et ce qui va être très important pour lui, c'est qu'il y a un ancrage sur le toit. Qui est responsable de l'ancrage sur le toit? Comment se fait le développement immobilier? Vous avez un fonds de placement, Teachers, Caisse de dépôt et de placement, qui a une filiale immobilière, qui elle-même décide, cette filiale décide de bâtir un édifice dans une certaine ville, un certain endroit, embauche un gestionnaire de projet, qui lui embauche un architecte, des ingénieurs conseils, et une fois qu'il a les plans, trouve un gérant, un entrepreneur général qui, lui, va coordonner la construction, qui lui-même engage des sous-traitants, de sous-traitants, de sous-traitants, et à la fin, on se retrouve avec un édifice bâti. L'exploitation du bâtiment est donnée en sous-traitance à une entreprise de gestion immobilière qui, elle-même, donne en sous-traitance la maintenance mécanique. Cette entreprise de maintenance mécanique donne en sous-traitance le lavage de vitres. Et c'est notre laveur de vitres, payé au salaire minimum, qui doit retrouver l'ancrage. Donc, qui est responsable de l'installation du fameux ancrage sur le toit? La réponse est venue en France, en Europe. Je ne sais pas quelle est l'application de cette directive européenne chantier, mais à la fin de la construction d'un édifice, le maître d'ouvrage doit remettre dans les 30 jours un cahier d'exploitation et de maintenance de l'édifice. Autrement dit, on doit avoir un cahier, comment je vais faire la maintenance. Donc, ça oblige le donneur d'ouvrage à planifier au départ toutes les conséquences et ce qui peut être générateur de risque.
Donc oui, il y a des modèles, il y a des choses qui peuvent être faites, mais quelque part, je pense qu'il faut y réfléchir. Et j'ai des exemples de ces... un exemple, entre autres, à Montréal, pour lequel j'ai eu la totalité des coûts. Et je peux vous dire que la planification de la maintenance et l'installation lors de la phase conception a été remboursée en moins d'un an d'exploitation de l'édifice. Et l'édifice devrait durer encore au moins une cinquantaine d'années, si ce n'est pas une centaine d'années, avec l'installation. Donc, il devrait avoir une certaine rentabilité de l'installation. Merci. Merci. Je pense qu'il y a une intervention ici. Hi, it's Steve Mantis with the Ontario Network of Injured Workers Groups. I guess this is the last session, and what I've heard a lot is that there's a kind of dynamic between the interplay between our laws, our structures, and what really happens in real life. And the interface is people, you know, individuals, and how much are we willing to stand up for our rights? And in an environment where we're all kind of scared. There's so much insecurity, there's all this precarious employment. For us, with injured workers, we're stigmatized, we're treated like we're criminals trying to take advantage of a system. Things have kind of turned on their head. And as the community partner, kind of going back to two nights ago when we started out, you know, what I heard people say was that our best defense is working together with unions, with the academics, with the community partners to try to address these issues. And so my little hat is I'm with the community partners. And we're attempting to try to build our own role and power in these relationships. And the tools that we are using right now that are proving most successful is a program we call our Injured Workers Speaker School, which is now expanded to any number of other social justice groups, that allows people to gain personal power through the exercise of their voice. And critical thinking, and done in an atmosphere of peer support and mutual aid. We heard about some of those components earlier today, and in a way, that's how we are able to resist, by having friends around with us, our social networks, people that maybe have more power than we do, too, who are willing to share some of that power. And it's a program that in Ontario, I guess more than half of our executive officers have gone through that training that has allowed them to say, I will become that activist. You know, we heard earlier about health and safety activists. It's like the people that are passionate are the ones that are making a difference. So we're trying to unleash that passion and really partner more effectively. And you know, our first level of funding was through our research partnership. And now we've tied into a number of local unions who are supporting us financially and in kind. And it's a model we're really happy to share. We're part of another large research collective, and we're trying to start schools across the country that in the program itself bring together people from diverse areas that get to see their commonality and that we're in a common struggle really against some of those, you know, the corporate elite and the austerity agenda. And we're here to fight with you guys. So don't forget us. Thank you. Thank you. J'ai une... Annie Thibault-Mouni, je suis là. Oui, d'accord, excusez-moi. J'ai une question pour Richard à propos de cette réglementation qu'on aimerait bien voir arriver en France, qui rend le donneur d'ordre heureux, ou l'entrepreneur responsable de tout ce qui se passe sur le plan sécurité du travail et santé pour l'ensemble des travailleurs qui travaillent
dans son entreprise, entre guillemets, au sens large, c'est-à-dire dans le travail qu'il prescrit. Et j'ai une question par rapport à la représentation syndicale, parce que chez nous, en France, on a un énorme problème qui est que non seulement la sous-traitance est faite pour faire des économies, pour contourner la loi, mais aussi pour contourner les organisations syndicales qui ont encore un peu de pouvoir dans les grandes entreprises. Je reprends l'exemple du nucléaire que j'ai donné à plusieurs reprises. Dans le nucléaire, au premier niveau, donc juste pour les agents des exploitants nucléaires, tout se passe bien, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a une représentation syndicale, il y a des CHSCT, il y a des délégués du personnel, et les institutions relativement fonctionnent. Mais dès qu'on passe en sous-traitance, d'une part, il y a la précarisation qui précarise bien sûr les institutions représentatives, mais surtout, il y a une répression syndicale absolument sauvage, qui fait que le donneur d'ordre pratiquement peut interdire d'accès des travailleurs, peut amener des sous-traitants à licencier des travailleurs qui cherchent à faire des CHSCT, qui cherchent à même avoir ne serait-ce qu'un tout petit peu de syndicalisation dans les établissements. Donc je voulais savoir si la loi australienne prévoit quelque chose sur le versant syndical et notamment sur la possibilité d'avoir en fait une représentation des travailleurs dans les institutions représentatives de type comité d'hygiène et de sécurité à partir même du bas de la chaîne. But would you like to respond? Yes. The short answer is yes. I'll expand on two things that were in my presentation that I skated over. So the first thing is that health and safety representatives, all the processes for forming work groups, then electing representatives within those work groups, and then vesting those elected representatives with powers, they're all based around the idea that it's the PCBU and the worker. So we've moved away from the employment paradigm. So it doesn't matter who is working in a workplace or even across workplaces. They can all form a work group, and then that work group can elect any one of its members to be the health and safety representative. So it doesn't matter if they're a contractor, or a labour hire worker, or even a casual worker. That's all subject to an idea of reasonably practicable, which recognises that some work may be so precarious that it's very difficult to draw those workers in. So that's the first thing. And those representatives have very strong powers. They have the usual health and safety representative powers, you know, the rights to information about health and safety, to be consulted and so on. But they also have what I think are enforcement powers. So this health and safety representative can issue a provisional improvement notice, which is similar to the improvement notice that an inspector can issue, but it's provisional in that it can be appealed to an inspector. And that is to rectify any contravention that affects the particular work group. That's the only real qualification. And then that representative also has the right to direct that dangerous work ceases. That is that any work that causes an immediate and imminent threat to the health and safety of any worker within the work group. But the other thing that people miss is that the individual right in workers to refuse dangerous work in our system is vested in workers, not employees. At common law, it's vested in employees. But under the model, under the legislation, what I now call the harmonised legislation, it's vested in workers. And that slipped through. Hardly anybody noticed that. And so people say, how did this happen? And I think people just didn't read the legislation because it's quite long. And the other thing is that workers, that unions have
have union entry rights to investigate contraventions of the legislation, provided they have a member at the workplace or that they have coverage of that workplace. That isn't a particularly strong provision. Under old New South Wales legislation that was superseded by the model legislation, the unions had a right to prosecute for contraventions. They still do have a right to prosecute, but it's very long and complicated, and it basically involves the regulator not prosecuting and then a long process which involves the director of public prosecutions and all sorts of things. And by that time, it's going to be very hard to find any evidence to prosecute, so it's not going to happen. But I hope that's the best succinct answer I can give.